Qui était ici là,
Donde la sous un commando, mon horizon a fait un commando, chaque décalé a fait un commando, et ça fait jamais, c'est un commando, et chaque mari là, c'est un commando, et tu veux te baisser, ça va finir, et tu veux te baisser, ça va aller, c'est des têtes, tu es ta aide, aujourd'hui là, ça sera toi, bé. Attends, ça y est, prête à pas cadrer. On a tout le temps, voilà. Tous ceux qui sont connectés là, vous êtes en France ici, c'est pas bien, vous payez passe 200 pour suivre vidéo. Vous êtes en France ici, on peut faire autant de temps qu'on veut. On a tout le temps. Voilà, c'est Abidjan. On dit fais vite, mon passe est fini. Ici c'est pas passe, ici c'est Wi-Fi. Nous on voit la connexion. Les free Wi-Fi, ça se balade. Ça se balade comme les électrons libres. Voilà, écoutez, on peut commencer maintenant. Voilà, et dit, c'est quand il reste 6 personnes. A commencé la vidéo tout à l'heure. Il est bien commencé, de la fin, il est gâté. Il vous a dit ça. Il commence bien, de la fin, il est gâté. Zandela, c'est un commando. Mon horizon là, c'est un commando. Chef décalé là, c'est un commando. Et mon quinto là, c'est un commando. Et tebe, ça va finir. Et tebe, ça va passer. Bête de tête, tu étais devé. Aujourd'hui là, tu seras crevé. Devé, c'est MDL. Crevé, c'est MDL, chef. Voilà. 45, il reste 5 personnes. Il chante trop. Il reste 3 personnes, 5 personnes. Bon. Battez-vous seulement. On dit 50 000 à vous délaisser. Restez là. Un gars, on ne paye pas pour ça. Il dit, soyez 50, vous délaissez. Délaissez comme vous allez. Bon, voilà. La vidéo a commencé. La vidéo vient de commencer. Voilà. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Dessin animé, votre humble serviteur de la Jossigan. Voilà. Ici devant vous. Par le biais de cette vidéo. Voilà. Pour honorer les mamans. Voilà. Une maman, ça se respecte. Une maman, on doit adorer une maman. Voilà. Donc les mamans sont à l'honneur. Voilà. Bonne fête des mères. À tous les mamans du monde entier. Voilà. C'est le dessin animé. Je prends la résolution. Je souhaite bonne fête des mères à tous les mamans du monde entier. Hier, il y avait la veillée funèbre de mon père, voilà, mon défunt père. Tous mes frères sont à Abidjan. C'est moi seul qui ai manqué à l'appel. Pourquoi? Tout simplement pour mes convictions, tout simplement. Big up à toi, Nyadre Nidane. Voilà, ça c'est ma seule histoire. Voilà. Respect et considération pour toi. Voilà. Voilà. L'un disait, hier, il y avait la veille de mon père. Voilà, mon défunt père. Sur la place Pigayo. Voilà. Tous mes frères étaient là-bas. Ils ont migré vers la Côte d'Ivoire. Nous tous sommes ici. Voilà. Qu'ils soient grands frères, accompagnés par petits frères. Moi, je suis au milieu. Voilà. Intervalle ouvert. À 56 ans, non, intervalle ouvert à 56 ans, fermé à 36 ans. Voilà, moi je suis dans cette fichette là. Intervalle ouvert à 56 ans, fermé à 36 ans. Ici dans la fichette. Voilà. Donc tous mes frères et soeurs se sont retrouvés à Abidjan. Et les vidéos, bon, je dis, bon, il n'y a pas posté parce que.
Ça m'a fait mal, pourquoi? Parce que tous mes parents étaient là, y compris mes enfants. Voilà. Et ma mère, j'ai demandé à parler avec elle. Elle m'a regardé et elle a commencé à pleurer. Mais pourquoi elle a pleuré? Elle a pleuré parce que je n'étais pas près des siens. Je n'étais pas parmi mes frères pour pouvoir pleurer, mon papa. Mais pourquoi? À cause de mes engagements politiques et mes convictions. Voilà. Donc ça c'est un sacrifice, ça c'est un sacrifice que je paye actuellement. Voilà. Parce que je n'ai pas souhaité à quelqu'un que son père décède et il ne peut pas aller l'enterrer. Aujourd'hui les gens ils prennent mes stories sur Facebook. Non, ton papa est mort, tu ne peux pas aller l'enterrer. Mais c'est un sacrifice. Ouais. Et l'histoire retiendra que dessin animé n'a pas enterré son papa. Pourquoi? À cause de son engagement politique. Voilà. Comme disait Babou, un homme, quand il marche, il laisse des traces. Alors ça, ça sera dans mon parcours aussi. Voilà. L'histoire était cela. Tous mes frères sont à Abidjan, tranquilles. Voilà. Mon petit frère, Ironus, il est le champion. Je suis à Abidjan. Toi, t'es où? T'es à Paris. Ok, là, le jour, vous dites que ouais, c'est l'homme qui est en France, qui se moque de ceux qui sont à Abidjan. Mais lui, il est à Abidjan, lui, il se moque de moi. Il est petit Gawa là. Moi, je suis à Abidjan. Toi, t'es où? T'es en France. Maroc est un bon petit gars. Lui, il veut être fier d'être en France. Et mais il pleut, il est à Abidjan. Mais moi, mon petit frère se moque de moi. Mon petit frère se moque de moi. Il dit, hey, Gawa là, toi, t'es où ça? Moi, je suis à Abidjan. Toi, t'es à Paris. Tu nous regardes dans vidéo, caméra, appel Facebook. Nous, on vit la vraie vie ici. Mais la vie, c'est un choix. Et j'étais choqué quand j'ai vu ma maman en train de pleurer. La maman est la grande soeur de mon papa. Je vous rappelle que la grande soeur de mon papa est vie. Hein. La grande soeur de mon papa est vie. Voilà. Je ne sais pas à quel âge. Moi, mon papa, il est né en 1937. Mais pour avoir le permis, il a augmenté son âge. Il a mis 1931. Donc, si on voit mon papa, il est mort à 86 ans. Mais c'est la grande soeur maintenant. Elle est 92 ans, mais elle a depuis ici petit. Elle est vieille. Dis-moi, je suis vieux. Elle est vieille. Non, mais il ne comprend plus rien. Voilà. Et puis, il y a un truc que je ne comprenais pas. Quand il était à Abidjan, quand il était au village, elle prend quand elle arrive à Abidjan. Elle est sa canne, elle marche canne. Mais quand elle se bagarre à la maison, quand elle a fait les courses à Abidjan, elle se prend sans canne. Ouais. Et puis, c'est elle qui ne comprend pas français. Elle ne comprend pas bêter. Elle s'en fait marcher. Mais ils se comprennent. Ouais, elle a fini ça. Il ne sait pas quelle langue il parle. Voilà. Elle s'en fait le marché. Elle parle en bété. La femme parle en doula. La femme parle en français. Elle parle en bété. Mais elle se comprend. Tu ne peux pas la gérer. Aïe. Voilà. Donc, ça, c'est une parenthèse. Dans les petits microbes là. Voilà. Les petits microbes qui viennent sur ma page. Vous dites non. Pourquoi tu ne parles pas des mutins? Pourquoi tu ne fais pas de vidéo de politique? Voilà. Je vous emmerde. Voilà. Moi, je ne reçois pas le droit de quelqu'un pour faire des vidéos. Voilà. Je travaille à mon propre compte. Voilà, je suis libre de faire des vidéos. Soit à caractère humoristique, ou soit des vidéos politiques. Voilà, je ne reçois pas d'injonctions des personnes pour dire, faire des vidéos. Il y a un gars sauvage là, il s'appelle comment. Il vient, il me dit, mais, faut faire des vidéos des mutins. Pas l'une de la politique de Côte d'Ivoire. Tu es pas bien, ton portable n'a pas de caméra, quoi. Quand tu ne peux pas faire des vidéos, alors peut-être que tu es content, quand tu parles en Côte d'Ivoire, voilà, tu parles en Côte d'Ivoire, tu peux voyer comme tu veux. Moi, mon papa est décédé, il ne peut pas aller. Voilà. Pas qu'il regrette, il regrette rien. Il assume. Voilà. Il assume. Moi, c'est un gars de conviction. Voilà, c'est pas un caméléon pour m'accrocher de branche en branche, sécher mes habits où le soleil brille. Voilà, moi, c'est un gars de conviction. Il assume. Voilà. C'est Dieu qui a voulu que ouais, il ne soit pas en Côte d'Ivoire pour pouvoir enterrer mon papa. Voilà, et j'ai aucun remords. J'assume parce que, pourquoi? À cause de mes convictions politiques, à cause de ma détermination. Donc j'assume, c'est mon choix. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a forcé à faire vidéo. Donc, je dois assumer. Je dois porter mes couilles pour assumer ça. Donc, ce n'est pas toi le petit rabat-joie qui avait me dit non, il faut faire vidéo pour parler de temps en temps. Je fais des vidéos quand je veux, à n'importe quel moment, quand ça me sied. Je peux faire des vidéos pour parler de ce que je veux. Je peux faire des vidéos pour parler de moi-même. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne de l'argent. Et c'est même mon propre chef. Voilà. Donc lui qui est fâché parce que je ne parle pas des mutins. Mais lui qui est fâché parce que je ne parle pas des 30 ans,
mon frère, portable, ça coûte 100 euros. Hein. Tu peux faire ta vidéo tranquille. Ou bien, si tu veux pas qu'on te reconnaisse, tu peux porter masque. Masque. Voilà, et puis tu fais ta vidéo. Donc, si nous, on a le courage de montrer nos visages pour faire vidéo, c'est un courage qui est alloué. Voilà ce que je paye actuellement. La loue, ouais, c'est parce que le loup tribut que je paye. Je ne peux pas aller à Abidjan. Tous mes frères sont à Abidjan. Ils sont au moins au nombre de 6, mais 7. Ils sont à Abidjan. C'est pas qu'ils habitent à Abidjan. Hein. Et tu habites à Paris ici. Paris, Londres. Il y a des gens qui sont au Soudan, les Soudanais. Mais tous sont à Abidjan. Et maintenant, ironie du sort, ils sont en train de danser. On dit, oh, petit gars, là, tu as à Paris, on est à Abidjan. Tu as à Paris, on est à Abidjan. Mais, je les fais mal. Je voulais être avec eux aussi. Mais je ne peux pas, pourquoi, à cause de mes convictions. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui a venu me distraire pour dire, fais ça, voilà. Je vous emmerde, matin, midi, soir, je vous emmerde à ma ligne de tout. Voilà. Bon, sur ce, on revient au but du sujet. Voilà. La maman, il faut honorer votre maman. Voilà, la mère. C'est ce qui est le plus sacré chez un homme. Vous, quand vous prenez les Noirs américains, ils aiment plus les mamans que les papas. Parce que même d'abord, un Noir américain ne connaît jamais son papa. Parce que le papa, on ne le connaît pas. C'est à tous les mamans qu'on connaît. C'est ceux qui ont la chance de connaître leur papa et les mamans, comme les Beyoncé, elles connaissent son papa, elles connaissent sa maman. Ce sont les autres rappeurs là, ils ne connaissent pas les mamans, ils ne connaissent pas les papas. C'est maman seulement. Voilà. Donc il faut honorer sa mère. Voilà. Donc les mères sont à l'honneur. Bonne fête des mères à tous les mamans. Voilà. Mais ce n'est pas parce que quand quelqu'un va venir me parler mal sur mon mur qu'il n'y a pas de soutien, il peut le soutenir aussi. Voilà, mais. J'ai pas insulté maman du monde, mais lui il peut insulter sa maman. Voilà, parce que sa maman n'est pas maman de tout le monde. C'est pas sa maman. Mais c'est le mot maman on met en exergue. Voilà, parce que la maman, il faut l'honorer. Voilà. Respectez vos mamans. Voilà, parce qu'elle est précieuse. C'est elle qui a guidé vos premiers pas. Voilà, c'est elle qui a ramassé vos caca. Voilà. Elle a pris la honte à cause de vous. Voilà, pour pouvoir vous faire grandir. Elle a pris la honte à cause de vous. Pour pouvoir vous mettre à l'école. Il y a d'autres mamans qui se prostituaient pour pouvoir payer les cours de leur enfant. Voilà. Il y a d'autres mamans qui partaient vendre Baka pour pouvoir payer les cours de leur maman et de leur enfant. Nous, à la base, nous, on était une famille modeste. Voilà, nos mamans étaient ménagères. Voilà. Ménagères. Maman, elle vendait chez nous, tout au marché. Pied de bœuf. Voilà, un cocotibo, pied de porc. Mais c'est pas parce que, ouais, on était pauvres. Voilà, modeste. Mais mon papa, il était diplomate. Hein. Voilà. Mon papa, il était diplomate. Voilà. Je vais vous faire une confidence. Mon papa, il a travaillé avec Draman, la femme de Draman, là. Fouleru. Voilà. Mon papa a travaillé avec Dominique Fouleru. Ils ont travaillé ensemble au PINUT. Voilà, demande à Fouleru. Tu connais mon papa. Ils ont travaillé au PNUD ensemble. Programme des Nations Unies de développement. Voilà, mon père est entré au PNUD en 1962. Voilà. Dominique Ouattara, c'est ça. Mon papa, ils se connaissent. Voilà. Mais ma maman, comme ils étaient modestes, elle venait payer les bœufs. Elle m'a dit non, ah, comme mon mari, il est au cadre. Moi, il a fait les magasins. Il dit non, nous, les femmes bêtises, on doit travailler. On doit vendre les pieds de bœufs. On doit vendre les éponges. Montrer que, ouais. On est des bras valides. Sinon, il pouvait laisser à la maison, puis il n'a rien fait. Parce que son mari, il avait un gros salaire. Voilà. Quand il est au temps, il avait un gros salaire. Voilà. Au PNUD. Ceux qui connaissent au PNUD, c'est vers au plateau. À côté de l'immeuble Gesséda, là. Voilà. À côté de l'immeuble Gesséda. Collé à la radio, voilà. L'immeuble Gesséda. Le PNUD, c'est un petit bâtiment blanc. Voilà. Programme de Nations Unies pour le développement. Dominique Fouleru, demandez-lui à la travaille au PNUD. Elle connaît du papa. Monsieur Zouli Raphaël, elle le connaît. Elle se connaît très bien. Voilà. Dans cette parenthèse, je vous dis, voilà, l'humilité possède la gloire. Il faut être humble. Voilà, respecte ta maman. Car c'est elle qui nous a porté 9 mois. Et elle a risqué sa vie pour nous mettre au monde. Parce que des mamans, quand ils nous mettent au monde, ils risquent la vie. Parce qu'il y a d'autres mamans qui n'ont pas vu leurs enfants. Il y a d'autres mamans qui n'ont pas vu leurs enfants et qui sont mortes au cours de l'accouchement. Donc les mamans, ça se respecte. Les mamans, ça se respecte. Voilà. Les mamans, ça se respecte. Donc ils sont maintenant hors du cadre, ils viennent gâter maintenant. Les mamans, ça se respecte. Mais ils ne comprennent pas. Arafat,
il fait parler avec sa maman. Il y a une sauvage jeune qui est de l'autre côté là-bas. Voilà, il t'insulte, voilà. Même si ça fait des mains, il fait rien, toi, parce que toi, tu es maman. Un enfant manque de respect à sa maman. Tu ne vas pas prendre parti pour cette mère, mais tu vas venir raconter ta mort. Que tu n'as pas fait, je te connais à Yopougon Kouté. Je te connais 30 ans. Oui, c'est que tu faisais à ta maman. Oui, c'est que tu faisais à ton papa. On t'a posé question, toi, tes renseignements généraux. Voilà maintenant, Arafat l'a mis la honte sur vous. Voilà maintenant, Arafat, il a mis la honte sur vous. Tous les moribonds qui sont venus prendre défense d'Arafat là. On ne vous a pas appelé dans les palabres. Ils ont mis la honte. Arafat a mis ça, la honte sur vous. Et vous avez dit, les artistes, les stars, ils profitent des clashs pour se faire vendre. Moi, il y a quelqu'un comptabilisé. Je vais montrer quelque chose. Je vais montrer quelque chose. Il y a quelqu'un comptabilisé. Sinon, on fait le hasard, on comptabilise tout. Voilà. Hier, je suis allé sur le mur d'Arafat. Voilà. Qu'elle a posté son statut à propos de sa mère. Ça faisait une heure, le tien a 11 000 likes. Voilà. Et à 3 heures de sa publication, le tien a 37 451 likes. C'est ça qu'elle a. Voilà. Mais c'est quoi, en retour, je sais bien, c'est pas. Voilà. À 3 heures de sa publication, il était à 37 451 likes. Il n'y a plus sa photo. Là maintenant, je retourne encore sur son mur pour voir maintenant, parce que ça c'était hier à 3 de sa publication. Il était à 37 451 likes. Voilà. Je mets maintenant sur son mur à Arafat pour voir où en est la publication. Voilà. Voilà, mis photo de Bordeaux. Il a mis sa photo, non. Bon, là actuellement, hier, Arafat a publié son statut hier à 19h. Et actuellement, il est à 79 038 likes, 9824 commentaires, 2204 partages. Donc, c'est pour vous dire, les artistes, souvent, ils utilisent le buzz pour se faire vendre. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une mise en scène avec sa maman pour attirer les yeux sur lui? Mais c'est trop facile. Un coup, il s'insulte, un coup, il se réconcilie. Donc c'est pour vous dire, les moutons là, les moutons qui ont pris parti pour Arafat là, voilà ça, c'est investi sur vous. Comment un enfant fait parler avec sa maman et vous rangez du côté de l'enfant. Mais vous comptez sur quoi? Maman, on dit maman a porté enfant 9 mois, elle a souffert, elle a risqué sa vie pour le mettre au monde. Mais si vous voulez prendre parti pour quelqu'un, c'est mieux de calmer les tensions. Vous ne donnez pas raison à Arafat. Vous n'avez pas raison à sa maman. Mais nous, comme nous connaissons l'importance de la maman, nous on ne peut jamais donner raison à Arafat. On va donner raison à maman. Voilà. Nous, on va donner raison à maman. Mais moi, je ne comprends pas. Une femme qui est en Italie, elle s'appelle comment? Chaton-tré. Elle s'appelle Chaton-tré. Qu'elle a levé ça des yeux. Voilà, toi-même, tu as mis la honte sur toi. Ton compatriote, tu es venu pour faire buzz sur Facebook pour dire non, que ouais, Tina est en train de mourir son enfant là. Voilà, ça, les deux, ils sont ensemble. Donc c'est pour dire, on ne peut jamais se mettre entre une mère et son fils. Quand il y a une bataille rangée entre maman et enfant, si on ne peut pas les séparer, on ne prend pas parti, on les laisse se battre. Mais la logique vous dit que quand tu veux prendre parti, tu prends parti pour la maman. Parce que jamais un enfant ne pourra gouverner sa maman. Que ce soit ce qu'il est. On a vu une photo de toi et ton fils qui traite les réseaux sociaux. Où est ton fils? Bien qu'il soit milliardaire, il est venu s'agenouiller devant son papa. On a vu la photo? Et ton fils, bien qu'il soit milliardaire, je sais pas ce que ça fait, il est venu s'agenouiller devant son papa. Voilà. Ça veut dire que tu as des milliards, ton argent. Ta maman ne fait rien ça. On sait quand tu as mis au monde là, tu ne l'as pas payé. Là, moi, ça me fait mal. Quand la femme dit non, que maman, tu n'as pas pu économiser, on ne dit jamais ça de sa mère. Et il y a les gens, des salopards, qui pensent, selon moi, qui ne sont pas sortis du ventre d'une femme qui vient soutenir les propos d'Arafat. Voilà maintenant, bout des rabat-joie.
Arafat, il a mis la honte sur vous. Il a mis la honte sur vous. Voilà. Monte sur vous. Le feu sur vous. Parce que vous n'aimez pas vos mamans. Et je vous ai mis à le pays, mais vous qui soutenez Arafat dans sa sale besogne, Arafat a tout fait des challenges. Il a dit challenge Calvin Klein, Kikinette, vous les suivez. Mais pourquoi quand j'étais sa maman là, pourquoi vous n'êtes pas suivi dessus? Pourquoi vous n'êtes pas fait vidéo postée au maman? Vous voyez, vous savez que c'est pas bon. Donc quand quelqu'un est votre idole, si vous l'aimez, ne l'encouragez pas dans la bêtise. Voilà. Moi, mon papa m'a toujours dit, paix à son âme, c'est l'homme qui t'aime, qui te donne des conseils. Voilà, c'est l'homme qui veut ton bien-être, qui te donne des conseils. Sinon, moi, il t'aime pas. Mais toi, ta vie me regarde en quoi? Ta vie, ça me ta putain de vie là. En quoi ça me concerne? Si Dieu faut crever la femme, il m'en parle, la race. Voilà. Donc moi, il était choqué. Pourquoi? À cause de la dame qui est en Italie, qui parle même. Pas là, mais qui n'est pas pour elle. Attendez, ensuite, le peuple qui est extrait, la femme, elle chauffe moi, qu'elle me lie. Que je vais enlever sans tes yeux. Que je vais enlever sans tes yeux. Que nous, on a fait réunion sur toi, on t'aime plus en Europe. Comme c'est la fait réunion et moi. Elle dit non, on a fait réunion contre toi ici. Tina, on a fait réunion contre toi ici. Non, on t'aime plus. Il faut changer. Moi-même, je dis que tu n'es même pas. Quand je t'appelle ma soeur, là, tu n'es pas ma soeur parce que tu es très méchante. Sinon, tu es très méchante, tu es mauvaise. Nous, on t'attend ici en Europe pour t'amener dans les maisons des fous pour te soigner parce que tu es folle. Tu n'es pas normale. Quand tu es parti mettre Yoro au monde, là, tu n'as pas eu de douleur. Apparemment, c'est comme si tu as volé Yoro à l'hôpital parce que qu'il était sorti de ton vagin, comme tu l'as dit là, qu'il est sorti dans mon con. Si tu étais vraiment sorti dans ton con là, tu n'allais pas t'asseoir pour parler mal de lui comme ça. Une mère doit protéger ses enfants. C'est comme une poule protège ses poussins. Oh! Soubaraf, le banquier, il dit, je pense pas que toi-même, tu respectes ta maman. Sinon, tu n'allais jamais insulter le moment des gens. Champion, voilà, nous, on n'a pas la même éducation. Voilà. Moi, il te dit, mère, quand c'est pas un jus. Voilà, parce que moi, à Abidjan, mon petit frère, on discute. Ma maman est là. Et puis, il me dit, hé, hey, dessin animé, mère, quand c'est ta maman. Et puis, ma maman est là, elle est dirigée, elle nous regarde. Donc, champion, chacun son éducation. Voilà, mère, quand c'est pas un jus chez moi. Voilà, mère, quand c'est pas un jus chez moi, champion. Mère, comment c'est derrière, c'est moi, c'est rien chez moi. Donc quand tu me dis, ouais, je suis américain, il ne respecte pas moi déjà, mon cher. Il ne faut pas confondre. Voilà. Il ne faut même pas confondre. Voilà. Ne confond rien ici. Que tu ne me parles pas de américain. Moi, c'est un militaire champion. Voilà. Sauf si tu es civil. Moi, c'est un militaire. Insulte-moi américain. Je ne sais jamais répondre. Mais pourquoi il répond? Parce qu'il veut que ce soit une sorte de réciprocité. Donc, il ne sait pas de quoi tu parles. Voilà. Américain, ce n'est pas un jeu. C'est comme les Américains. Quand ils parlent, ils disent, ah, c'est motherfucker. Motherfucker, ce n'est pas qu'il insulte à maman, mais c'est un langage. Voilà, c'est comme, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme des interjections. Donc, toi, tu viens me dire, ouais, que moi, il ne reste pas ma maman, il insulte mère quand tu n'es pas bien champion. Voilà, donc, si tu mère quand tu es ta maman, tu me dessus. J'avance. Voilà. Moi, je suis en train de te parler là. Je n'ai jamais cherché ces vidéos. Mais à cause de toi, je vais te parler. Je ne rentre pas d'abord dans tes 1 mètre carré, mais je suis en train de te dire la vérité. Elle dit, je ne rentre pas dans tes 1 mètre carré, mais ce que tu es en train de faire, c'est quoi? Elle est en train de dessiner ou bien? Elle dit, je ne rentre pas dans tes 1 mètre carré, mais si tu es garçon. Faut répondre à ma vidéo. Tu as MHS Bess, qui est bêté sur bêté. Donc bêté, c'est dit quoi? Donc c'est une parole pas bêté. C'est ce qu'elle me dit. Tu es bêté sur bêté. Pour moi, c'est le lac de bêté. Je vais enlever ça dans tes yeux. Je te dis, tu as mis le sel dans la mer. Parce que tu n'es rien. Quand tu parles de David de Goliath, tu parles de la Bible. Mais pas la mère qui ne te regarde pas. Une maman parle de son enfant. Toi, tu viens, qui vient t'immiscer dans l'affaire. Je ne suis pas maudit, Soubaraf. Soubaraf, pardon, va compter l'argent, c'est banquier, va compter l'argent. Alors, va compter l'argent. Donc, vous voyez, une mère qui n'a rien à voir, elle jette son dévolu sur Tina Spencer. Mais moi, je dis, ce n'est pas de la faute de cette dame. C'est la faute à la faute. Voilà, parce qu'il a mis une fissure sur sa maman et il a permis aux gens même qui ne se lavent pas de venir faire insulter sa maman. Maintenant que ils sont reconstruits, c'est la consternation dans les camps. Et tu t'es affiché cadeau. Le petit,
Aujourd'hui, dimanche, là, sa maman, elle va lui donner une bonne enveloppe de main. 5 millions. Elle va se mettre où? Toi, tu es venu t'afficher. Toi, mais Tina t'a pas répondu parce qu'elle ne te considère pas. Parce qu'elle s'est dit non, que on ne sait pas à qui tu parles. Elle s'est adressée à l'autre là, à la fille là, Aïcha, la Burkinabé là. Bon, eux, c'est quoi ils sont? Eux, le problème, tu ne les regardes pas, ils viennent se mettre dedans. Voilà. J'ai vraiment dit encore, ouais, c'est comme ça. Ouais, ben eux, c'est quoi ils sont? Le problème, tu ne les regardes pas, ils viennent se mettre dedans. Le problème, tu ne les regardes pas, ils viennent se mettre dedans. Et donc, eux sont habitués à ça. Moi, ils ne parlent pas de ce que là, du volet là. Tu dis, elle est butée. Une femme en train de faire parler son enfant. Toi, tu es maman aussi. Mais tout le monde a appelé à être maman. Tout le monde a appelé à être maman. Même toi, tu as pris la honte maintenant. À la fin, il peut dire sa maman. Il dit, maman, je suis désolé. Alors, on va lire le statut. Maman, je suis désolé. Il dit, maman, je suis désolé. Ah, mais moi, je ne veux pas que ça soit reconnaissance. Voilà. Maman, je suis désolé. Il dit, je t'aime aussi, maman. Désolé pour tout. On se voit demain. Je viendrai avec un gros cadeau pour ta fête des mères. Je vous aime tous et merci pour vos conseils. T'as vu, non? Moi, à la fois, tu m'as félicité. Il dit, merci pour vos conseils. Pour moi, je suis venu insulter bien, bien. Toi, tu es venu le défendre. C'est pas conseil. Au contraire, il te guette. Peut-être que tu es à maman. Voilà, peut-être que tu dis sa maman, elle va te la coucher, elle n'a pas eu de douleur. Donc, tu te fous dans la face. Non, à la fois, lui, c'est un caillou, quoi. T'as vu? Donc, quand on parle, il y a beaucoup de sens. Voilà, moi, à la fois, tu m'as félicité. Parce que moi, il est insulté. Il dit, petit maudit, là. Voilà, moi, la pigeon qui te défend. Moi, c'est ta maman. Voilà, ta maman, elle peut m'accoucher. C'est ma grande soeur, voilà. Parce que mon premier grand soeur est en 60. Ma première grand soeur est à 57 ans. Voilà. Moi, mon neveu est en 80, il a 37 ans. Non, à la fois, ta maman, c'est pas ma maman. C'est ma grande soeur, mais c'est le respect, c'est tout. Le droit d'aînesse. Voilà. Mais si elle peut faire cause pour elle, parce que c'est une femme. Une femme. Voilà. Une femme qui t'a engendré. Voilà. L'humanité se résume en la femme. C'est donc pour laquelle j'ai pris faire cause pour elle. Voilà. Sinon, ton problème est ta maman. Moi, ça ne me regarde pas. Mais à travers ta maman, je vois beaucoup de mamans qui se sentent humiliées. Je vois beaucoup de mamans qui réclament l'affection de leurs fils et qui sont refoulées. Et certains, au lieu de venir consoler la maman, elles vont venir dire, ouais, maman Tina, tu as maudit ton enfant. Maintenant, toi, maintenant, on ne t'a pas remercié. Tu as insulté maman de l'enfant, on ne t'a pas remercié. Bon, on m'a remercié. La vidéo qui est là-bas, elle est bien insultée à l'enfant. Il dit, petit babier, là, ça, c'est ta maman. Il dit, mais elle est une mère. Tu as dépensé quoi? Toi, ton million. Ton million, il faut prendre. Si tu as beaucoup d'argent, il faut prendre. Va construire une maison pour elle. Va construire une maison pour elle. T'as vu, moi, m'a remercié. Moi, j'ai pu faire écoute pour Tina. J'ai été remercié par ce message. On dit, je vous aime tous et merci pour vos conseils. Parce que moi, j'ai conseillé. Toi, tu es venu insulter ta maman. Mais en doute de ce qui va haïr. Moi, il a insulté. Mais j'ai pas insulté sa maman. Mais toi, tu l'as défendu. Mais tu as insulté sa maman. Mais après, tu es sa maman. Donc, lui il te guette. Non, italienne. Puisque tu parles en italien aussi. Non, on ne comprend pas l'italien. Non, on comprend nous aussi. T'as vu? Donc, quand les mamans là, on réfléchit un peu. Voilà. Quand tu es maman, il faut être solidaire. Ah, il est bien ici, ils sont solidaires ici entre eux. Blanc, tu es noir. Tu fais pas la même. Tu fais pas la. Tu es blanc. Tu fais un noir, fait pas la même blanc. Tu penses que le blanc a venu supporter le noir? Jamais. Il se protège. Il dit, mais le noir, il a fait quoi? Il se protège. Il prend les frères blancs. Il va jamais tuer son frère blanc. Mais vous, les noirs, par là, Libanais est noir. Faut voir tous les noirs sont des Libanais. Oh, tue-le, c'est un métier. Tue-le, c'est un bablé. Tue-le, c'est une chose. Tue-le, c'est un truc. T'as vu? Une femme fait parler avec son fils. Toi, tu es maman, tu as appelé être maman. Tu ne veux pas défendre la femme. Mais tu viens insulter. Que tu penses, c'est quoi? Je dis, c'est pour nous. Il y a ton papa, il y a ta mère. Il y a quoi ton comportement, ta mère? Donc, il dit, Zara, tout Zara, Beibro, tu peux. Beibro, il parle de Beibro. Beibro, tu peux faire une vidéo pour parler de tout. Beibro dit quoi? Attends, Beibro dit quoi? Attends, il a insulté, je vois ce qu'il a dit. Beibro dit quoi? Baby bro, dessin, parle de politique, laisse les insultes, il y a plus important. Baby bro, mère qu'on est ta maman, voilà, ton portable tu prends pour commenter là, tu peux parler de politique aussi, voilà, tu peux parler de politique aussi. Vous pensez que nous on est là pour vous quoi. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour mon seul, c'est pour tout le monde, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour mon seul, c'est pour tout le monde. Donc là, si tu es conscient là, si tu te dis intellectuel conscient là, tu as songé, ça fait comme moi, voilà. Tu vas soigner aussi à faire comme moi, parce que c'est pas anodin. Tu sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu peux prendre ta putain de caméra, ton portable, ton sale portable, je ne sais pas quel portable, fais ta vidéo. Voilà, moi, laisse-moi de mon délire. Voilà, laisse-moi de mon délire. Je fais la politique quand je veux. Voilà, selon le temps, selon mon humeur,
Voilà, donc y a pas, je ne reçois pas les ordres de quelqu'un. Voilà, je ne suis pas payé pour ça. Voilà, je ne suis pas payé pour ça, mon frère. Voilà, donc ta gueule, là, tu la fermes, enlève ta bouche dans mes affaires. Il faut parler de politique. Ta mère, contacte ton portable, ça fait pas de vidéo, mais quoi. Petit papier, là. Mère, contacte ta mère pour me dessus. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que forcé, il y a des chiens qui sont venus parler, il y a gâté. Je vous l'ai dit, au début de la vidéo, il dit, il va bien commencer, mais j'ai tout gâté. Voilà, donc c'est ça de gâter à témoin, là. Donc, faire un conseil aux gens, vous pouvez donner des conseils aux gens. Ça vient dire, ouais, vous pensez que tu n'as pas de politique. Même toi-même, tu ne fais pas de vidéo de politique aussi. Ton portable, ça parle. Peut-être que tu ne connais pas Bédier, tu ne connais pas Alassane Ouattara. YouTube, on vous montre, tu ne connais pas. Tu ne sais pas parler. Ou même tu parles anglais. Tu peux faire une vidéo en anglais aussi. Il y a les gagnants qui écoutent. Oh putain. Chauffe mon cœur, même diamant. C'est pas bon. Chauffe mon cœur. Il y a tous les gens qui ont chauffé que les gens. Toujours. Toujours. Donc, elle disait, comme moralité, ce qu'on peut tirer de cette vidéo, de cet épisode de Arafat, quand un enfant fait parler à sa maman, même si l'enfant a raison, tu prends la maman, la mets à côté, et puis tu sermons de l'enfant, mais petit, tu es malade, tu vois que c'est ta maman. Bien, tu sais qu'il a raison, mais tu l'insultes. Et après, maintenant, tu te diriges vers la maman. Mais tu dis, ah, mais maman, tu as zaï, hein. Ton enfant, tu es mal comporté devant lui, tu l'as honnu devant ses camarades. Il ne fallait pas faire ça. Hein? Donc, c'est bien sûr, comme sur ton enfant là. Bon, va lui demander pardon. Et maintenant, la maman maintenant, elle sera l'humilité maintenant. Et puis, elle va demander pardon à son enfant. Pour dire, ah, mon bébé, tu sais, comme j'étais un peu sur le feu de la colère, dans la peine, je t'ai parlé comme ça devant tes amis. Hein? Tranquille, tranquille. Et puis, ça a passé. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais un enfant va se battre avec sa maman. Et toi, tu vas venir supporter l'enfant. Ah! Comme si toi-même, tu n'as pas enfant aussi. Comme si toi, tu ne serais pas un jour appelé à être maman ou bien papa. Et tu ne fais pas. En Afrique, c'est nous en Afrique. Mais ce n'est pas en Afrique, mais dans le monde entier. Un petit frère n'a jamais raison devant un grand frère. Un enfant n'a jamais raison devant son papa. C'est comme ça que nous, dans l'armée, un sous-officier n'a jamais raison devant un officier. C'est la loi de la nature. C'est la loi. C'est comme ça se passe. C'est comme ça. Voilà. Donc, dorénavant, vous les papatos, les renseignements généraux, qui connaissez papa de Serge Bruno, qui connaissez maman d'Arafat, qui connaissez où j'habite, dorénavant, à partir de désormais, un enfant qui se bat avec son papa, quand tu viens, tu insultes l'enfant devant son papa pour lui dire, mais le papa, c'est pas ton camarade, c'est lui que tu t'as accouché. Respect et considération, tu lui dois. Tu dois l'honorer. Sachez que tu sais que l'enfant a raison. Et après, maintenant, l'enfant, tu le mets à l'écart, tu l'insultes même, tu le mets à l'écart, et tu prends le papa. Mais Pierre, mon Pierre, tu t'es mal comporté. Tu as rendu l'enfant devant ses amis. Sans plaquer, il t'a parlé comme ça. Tu vois. Donc, tu raisonnes le papa. On a quitté le papa maintenant. S'il veut faire jouer son humilité, s'il veut faire jouer son humilité, il ira voir son enfant pour dire, ah, mon petit, tu m'excuses, si je me suis comporté comme ça, mais c'est parce que j'étais sous l'effet de la colère. Ben nous, les papatos, on va pas être là, et puis on prend parti pour Arafat. On dit, hey, petit, c'est champion, t'es un champion. La mentira, mais elle boit trop. Pourquoi elle a maquillé? Mais vous n'êtes pas bien ou bien. Attends, où je vois le monde en envers, quoi. C'est des mamans où parlez, c'est des mamans où vous parlez, quoi. On dit ancienne copine, on dit ancienne femme. On dit pas ancien maman. Maman ne peut pas remplacer maman. Maman, là, ça se remplace pas. Voilà. Les gens vont dire, mais ah, tu connais la valeur de maman et puis tu insultes mes champions. Ça, c'est pas le même cas, hein. C'est pas le même contexte. Voilà. Je suis là pour donner le conseil. Voilà un gars qui vient m'insulter ici, en même temps, tac, il réplique. Voilà. Sinon, honorez vos mamans. Voilà, c'est comme ça. La maman, ça se respecte. Quelque chose, ce que ta maman est, tu dois respect et considération, obéissance. Il y a des gens qui ne sont pas fiers de leur maman, il y a des gens qui ne veulent pas présenter leur maman à leurs amis parce qu'ils trouvent que leur maman n'est pas présentable. Mais champion, toi-même tu t'es maudit. Hein? Voilà. Toi-même tu t'es maudit. Moi, ma maman est là ici. Ma maman elle a vieilli, elle est ici, elle a monté sa photo. Elle est ma grand-soeur. Et elle est ma tante.
Et ils sont là, moi, ils sont fendus. Aïe. Ma maman, quoi? Ma maman, elle est ici. Voilà. Ah, bon, ouais, bon. Comment trouve-tu ma maman? Ma maman, elle est sa soeur, elle est sa petite soeur. Voilà. Pour dire ma maman, elle est sa petite soeur. Voilà. 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 Eh, maman, c'est qu'en jaune là, voilà. Ça, c'est mon neveu. Il est habillé actuellement, ouais, pour les funérailles. Et c'est qu'en rouge, c'est la petite soeur à ma maman. Voilà. Donc, c'est ma maman qui est en jaune. Voilà. Maman Monique, voilà, ça se dit, ça s'appelle Maman Christine. Voilà. Ça, c'est Maman qui est là. Voilà. Elle est dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, elle était mon papa. Ah, c'est en 92, lors de leur mariage. Ils sont mariés en 92. Voilà. C'est maman ici. Voilà, maman et le papa qui est là. Ça, c'est en 92, hein. Le jeudi 16 janvier 92. Voilà, ça c'est le jeudi 16 janvier 92. Ils sont mariés. Voilà, jeudi 16 janvier 92. Ils sont mariés, mon papa. Et Maria, et nos parents avant, voilà. Et les mariages, c'est qu'ils sont arrêtés. Hein. Voilà, pour à cause de leur jeton, voilà. Ils se marient. Sinon, qu'ils étaient ensemble, ils ne se mariaient pas. Voilà. Voilà. Ça c'est. Voilà. Ah, c'est en 1960. Voilà, mon papa et ma maman. Ah, c'est en 1960. Voilà. En ce moment, maman, elle est 16 ans. Voilà, elle est 16 ans. Et avant, il était plus tard à 16 ans. Et c'est marié à 15 ans. Elle est 16 ans. Voilà, c'est sa petite goût. Voilà. Ouais, ma maman qui est là. Ouais, mon vieux. Elle est 16 ans. Elle est là. Je ne sais pas, elle est 25, je ne sais pas. Voilà, il y a au moins 11 ans, donc peut-être 9 ans, voilà, là ici, voilà. Donc c'est pour vous dire, les mamans, ça se respecte, voilà, parce que vos mères. Donc sur ce, s'il n'y a pas de questions, bonnes questions, vous voyez, transmis, hein, vidéo, c'est pas facile, hein, on transmet tout ça, là. Question, c'est pas question, je la musique que vous laissez. Question. Donc voilà. Ceux qui ont soutenu Arafat, vous n'avez plus la honte. On vous a pas remercié. Nous, on nous a remercié. Attends, c'est un ami RDR qui passe. L'ami RDR. Donc, Mouadou, Bogota, plein de Karamoko. Big up à toi. Lui, c'est un RDR, mais c'est mon ami. Voilà. C'est un soutien indéfectible de ce rogium. Voilà. C'est Gatien, lui, là-bas. Le Soro, le Pro-Soro, le. Pro, le pro ado, le pro amel, parce que je suis là, c'est le pro seulement. Pro ado, pro solo, pro watao, pro tantan, tous ces pro chez là-bas. C'est gâté là-bas, c'est Boya Kassu. Putain, eux là-bas, ils sont tous ces gâtés, ça met les draps là-bas. On dit putain, voler l'argent, on dit tantan, voler l'argent, tout cela. Aïe, attends, Amila Bené Kamoko, il guette même putain, je le sais. Mais t'avais dit, du coup, il disait, ah, que le moron, c'est pas un corps habillé. Oui, non, comme tu es un mouton avant, tu dis non, que putain c'est encore habillé. Il a travaillé avec Bago. Si toi tu viens maintenant qu'il n'a pas travaillé avec Bago, t'as bien expliqué. Voilà, nous là, nous on a travaillé avec eux. Nous quand vous parlez, croyez-nous. Mais à cause de la politique, vous voulez cacher la vérité. Voilà, c'est toi maintenant, Amila Bené Kamoko. Tu es entré maintenant. Insulter les choses. C'est jamais. T'es en train d'insulter. Attendez, le bloqué. C'est le cas là. Bibro. On a bloqué Bibro. Voilà, au diable maintenant. Voilà. Donc c'est ça, hein. Quand il y a eu Clément, c'est comment? Voilà. Donc Amila Bené Kamoko, continuez votre bataille, non vous regarde. On dit, parlez de policiers. Voleurs allez faire quoi là-bas? Donc battez-vous, non vous regarde. Les gens disent, non, pourquoi tu ne parles pas des mutins? Mais les mutins, ils ont un contentieux avec le président. Mais moi. En quoi ça me concerne? Hein? Le gars a promis. On dit la promesse c'est une dette. Même tu as promis aux gens, il faut donner l'argent. Moi, je vais parler pour du gars. J'ai demandé, dit quoi? Des profs et cause pour qui? Hein?
Il dit Dogomadou Kamoko 007. Putain 007, il était quoi juste? Putain 007, c'était un homme en habit de col habillé. C'est pas un col habillé, c'était un homme en habit de col habillé. Voilà. Sinon, tout bon col habillé se reconnaît dans une promotion. Voilà, se reconnaît par un numéro de matricule. Voilà. Putain 007, c'était un homme en habit de col habillé. Voilà, j'espère que tu as répondu. Voilà. Ben champion, s'il n'y a pas de question, c'est laissé. Il dit Gaga le corps de Babou. Ah mais toi tu as dit ouais. Comment il a pris la photo avec Babou là? Il t'a expliqué dedans. Moi, j'aime bien un gars de corps qui a une seule photo avec son patron. Un gars de corps qui a une seule photo avec son patron. J'aime bien ça. Voilà. Un gars de corps qui a une seule photo avec son patron. J'aime bien ça. En tout cas, les gars de corps, souvent tu es en veste. Souvent tu es en veste, souvent tu es en tri. Et quand tu es gars de corps, quand tu es en tri, il y a un galon qui est dessus. Djakali Djassoumaro. Champion, moi, mon ramadan va commencer dans la semaine prochaine. Laisse ça quoi. Voilà. Je ne gêne pas actuellement. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, ça c'est là, qu'elle porte ça là. Hein? Ah, c'est habillé vidéo. Ça, quand il porte ça, c'est que c'est pour Sorogium. Ah, dans ce que vous voyez porter ça là. Ça là, quand il porte ça, c'est des vidéos de Sorogium. Remarquez, hein, quand il s'en boubou, c'est que c'est Sorogium. Aïe. Sorogium, c'est mon client. Ah, Sorogium quoi, c'est mon frère client même. Il est champion, il est dit champion. C'est Sorogium. Moi là, conseil peut te donner là. Faut faire comme chose, ATT. Voilà. Faut faire comme ATT. C'est quoi ce légume? Ce légume, actuellement là, tu vois, tu es dans une mauvaise posture. Parce que les gens, comme ils voient que, ouais, nous sommes déjà en 2020, eux, ils savent que tu es un cheval gagnant. Voilà. Ce légume, les gens, comme ils voient que tu es en 2020 arrive, on sait que tu es un cheval gagnant. Donc les gens veulent faire tout pour te saboter. Voilà. Mais moi, si on ne te sabote pas, moi, ce n'est pas mon affaire. Mais si je sais la vérité aussi, que je ne dis pas aussi, ma conscience, j'aurai des remords. Voilà, je ne serai pas en paix. Moi, ce que je peux te dire de faire sur le Guillaume, voilà. Faut qu'il existe la réconciliation. Voilà. Réconcilie les gens. Passe de hameau en hameau. Pardonne aux Ivoiriens. Voilà. Fais ton mea culpa. Parce que Johnny a fait une vidéo hier. Faut pas après. Parce que là, actuellement, l'étiquette de rébellion, c'est toi qui endosses. Hein? C'est toi. Et tous les rabat-joie aujourd'hui qui sont ministres là. Et ils oublient que c'est à cause de toi. Ils sont devenus ministres. Voilà. Draman Ouattara, il n'a jamais dit que c'est lui qui a fait rébellion. Voilà. C'est toi qui t'as fait rébellion. On te pose question. Celui qui est secrétaire de Force Nouvelle. On dit, mais qui est ton patron? Tu dis, toi, mais tu es ton propre patron. Ah, tu es champion. Tu es ton propre patron, comment? Non, c'est le gars qui n'a pas payé âme. Ou bien Zakaria, connais Zakaria Iman, quoi. Quand il dit que c'est pas Ibé qui a payé les âmes, que c'est Ouattara qui a payé les âmes. Donc, Zakaria Iman. Ou bien, en vous tout ça, il y a mensonge, quoi. Donc, moi, ce que je peux te dire de faire, champion, va à une réconciliation sincère. Voilà. Dis à ton mentor de libérer les prisonniers. Fais ton mea culpa. Parce que nous, on sait qu'on a nos consciences sur le gueule. Toi, tu n'es pas papa de la rébellion. Toi, tu n'as pas fait rébellion, champion. Mais pourquoi tu veux protéger quelqu'un? Les gens qui veulent te tuer, toi, tu les protéges toujours. Mais à un moment, il faut de la vérité. Voilà. Il faut de la vérité pour être pardonné. Parce que là, je vais aller sans la vérité. Depuis, nous, on est venus là. Nous, on dit la vérité.
Et puis nous, on parle avec toi, il y a preuve de ça. Donc c'est mieux pour une négociation sincère, il faut de la vérité. Non, c'est que c'est pas toi qui as fait rébellion sur le Dieu. Voilà. C'est pas toi. Mais faut pas après, quand ça va se gâter sur toi, c'est quand ce que tu as fait à Babou, tu as fait à la Sainte, tu as dit non. Ouais. Ils ont fait rébellion. C'est non endossé. Non, mais lui a fait rébellion. Tu as preuve de quoi? Ou bien on s'est fié au dit de Zacharia. Non, mais Zacharia n'a pas. Zacharia, lui a quoi la rébellion? C'est toi ton subalterne. C'est toi qui as endossé la partie de la rébellion. C'est toi qui as créé un livre pour dire que tu es rebelle. Donc c'est mieux de dire la vérité aux gens. Il faut réconcilier les gens. Les prisonniers doivent être libérés. Il y a mon cadet, lui qui est moi là, le gendarme Kouachi là, c'est mon cadet, on a travaillé ensemble chez Amani Nguessan. Ils étaient des gendarmes qui étaient tout fraîchement, qui venaient fraîchement sortis du commando. Ils étaient au moins 10. Ils ont acheté chez Amani Nguessan. Voilà, chez Amani Nguessan, ils prenaient la garde et nous on partait là-bas en renfort. Ils le connaissent bien. C'est mon cadet. Voilà, il était bien clair, quoi. C'est mon cadet. Voilà. Mais pourquoi il est mort aujourd'hui? Pourquoi? Parce que il était gendarme, on dit non que ouais, il était susceptible de cacher des armes. Maintenant, les autorités qu'ils suivaient là. Mais quand c'est comme ça, vous pouvez apporter le démenti. Parce que, aux dernières nouvelles, on dit non que, ouais, qu'il était garde de corps de Francis Vaudier. Mais toi, Vaudier, on a pris ton garde de corps pour l'amener en prison. Tu peux venir voir WhatsApp pour dire non, mais le gars là, il était garde de corps, il était mon garde de corps. Il n'a jamais participé à quelque chose. Il était toujours avec moi. Mais quand les enfants, les gens, vous les livrez, mais toi, Vaudier, ton enfant là, il était gendarme, non? Pourquoi il n'est pas garde de corps? Il n'est pas ton garde de corps. Ton enfant il était jeune homme. Et ton enfant est jeune homme. Ton enfant c'est ma promotion. Voilà. Il s'appelle Vanga. On n'a pas dit tout son nom ici. Ton enfant s'appelle Vanga. Vanga Bravo. Voilà. Vaudier. Ton enfant il est jeune homme. Tu peux le prendre comme un gars de corps. Mais pourquoi tu ne fais pas? On prend enfant des gens qui sont venus protéger vos vies. On les met en prison. Au lieu d'aller de faire mains et pieds pour les libérer. Vous ne faites pas ça. Et mais en prison, toi, mais tu avais ton enfant est gendarme actuellement, ton enfant, ça fait 15 ans, les gendarmes. Pourquoi il n'est pas ton garde de corps? Alors, donc, c'est nous, vous, on met dans l'abattoir. Comme nous ne sommes pas vos enfants, nous ne sommes pas riches, nos papas ne sont pas intellectuels, c'est nous, vous amenons à l'abattoir, et vous, vos enfants, vous les protégez. Parce que la logique voudrait que, ouais, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Toi, Vaudier, Francis Vaudier, là, il fallait prendre ton enfant, Vanga Bravo, là, pour être ton garde de corps. Voilà. Ton enfant, Vanga, bravo là, pour être ton gars de corps. Il le prend pour être ton gars de corps. Pourquoi tu prends un enfant déjà pour être ton gars de corps? Et on le met en prison, il n'est pas fichu d'aller le libérer et il meurt là-bas. Mais par contre, il y a un enfant de gendarme. Moi, c'est une société. Mais c'est une société familiale. Voilà. Mon premier fils, il est comptable. Mes autres enfants sont tous. Mais pourquoi toi, tu as ta petite société et tu ne mets pas tes enfants devant? Tu mets les autres devant. Ah, c'est parce que tu sais qu'il y a le feu dedans. Donc, c'est pas bien, champion. Hein, vous dites. Ton enfant n'a qu'à être ton garde de corps. Voilà, ton enfant doit faire ton argent. Voilà, mais n'explique pas enfant les gens. Quand on les prend, on les amène en prison maintenant, vous ne pouvez pas les libérer et ils meurent là-bas. Mais pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Ton enfant a été formé ensemble. Hein? Même si tu n'es pas commando, il peut porter béret rouge pour être commando. Ce n'est pas vérifié. Peut-être que ton enfant n'est pas commando. Voilà, Vanga Bravo n'est pas commando. Tu peux le faire porter béret rouge. Tu dis, ah lui là, c'est mon fils parce que c'est un jeune homme. C'est mon garde de corps. Ça passe tranquille. Tu as bien le payer cher. Si on prime, c'est 1 million. Tu peux le payer 6 millions. C'est ton enfant. Là, on reste dans la famille. Voilà. Mais vous prenez l'enfant des gens pour être votre garde de corps. On les met en prison. Vous n'êtes pas fichu de faire main de pied pour qu'on puisse les libérer. Vous les laissez et ils meurent. L'enfant, son fils est mort. Son fils de 6 ans est mort. Son papa est mort. Tout ça, il est en prison. Il paraît qu'il n'a même pas, n'a même pas participé aux obsèques. Ni même envoyer de l'argent pour qu'on puisse, sa famille puisse faire son funérail. N'a pas fait ça. Parce que vous êtes ingrat. Et avant tout, vous voulez qu'on pense à vous. Mais tout ça, ça va finir un jour. Voilà, vous êtes vendu. Tout ça, ça finira un jour. Donc, si c'est le moron, ça fait combien de minutes que les clients se laissent là? Parce que ça fait 45 minutes là. Voilà, moi, je finis de dire ce qu'il y a à dire. Les moments respectés, c'est tout. Une mère se respecte. Vive l'amour. Voilà, elle est là. Ça fait combien de minutes là? 45 minutes, mais quoi bien? 45 minutes, mais c'est pas 46 minutes. Voilà, donne-moi une pied qui est ici là. Transpire tout cela. Ah, à faire des vidéos, c'est fatigué. Hein? Transpire à faire des vidéos là. Pas bien tout le monde. Donc, moi, d'où? Voilà, plus. Voilà, c'est 4 minutes. Ça fait 4 minutes. Bon, il y a même 6 minutes. Ça fait 1 heure. Voilà, pile. On n'est pas à Abidjan. C'est à Abidjan, ils ont peur. Ah, mon pas, c'est PS. Ça fait 200. Pardon, faut pas. Parlez vite là, parlez vite. Comment on fait vidéo? Ils disent donc, ouais. Eux veulent nous imposer le temps. On dit non, Dili Pacheco. Nous, on a Abidjan, on paye pas 200. Que pendant les fêtes, des vidéos de 15 minutes. Mais 15 minutes, on peut dire qu'on peut rien dire. On peut rien dire. Quand t'as dit quoi en 15 minutes?
Voilà, c'est parce qu'avant, on n'avait pas la possibilité de faire des vidéos de 1h, parce qu'on faisait 15 minutes. Mais si on a la possibilité de faire des vidéos de 1h30, on fait les 1h30. Parce qu'on ne paye pas pour ça. On va venir faire une vidéo 15 minutes, on ne paye pas pour ça. On a d'autres activités. C'est qu'on a le temps, on fait les vidéos. Voilà. Donc, mon cher, passe là. Si tu as les vidéos, il faut économiser. Passe 200. Un jour, tu payes passe de 1000 francs. Tu regardes, tu as bien regardé. Nous, mais c'est après, on est sur ça. On paye connaissance, pas gratuit. Non, on paye connaissance. Voilà. Dans les champions, moralité, il ne peut pas prendre parti pour un enfant qui manque de respect à sa maman. Voilà. Phonis, il dit faut attribuer des forces. C'est pas il y a tu que tu entends. Si tu ne l'as pas entendu, comment tu sais que moi, il n'y a tu pas. C'est pas tu entends ce qu'il dit. C'est pas tu entends ce qu'il dit, non, parce que tu dis il n'y a tu pas. Voilà. Et peu n'est pas obligé de parler de la même manière, champion. Voilà, moi je suis bien blanc. Voilà, quand il n'est pas articulé, il ne sait pas de quoi tu parles. Tu dis quoi, tu ne comprends pas ou bien il est articulé, comment est-ce qu'il dit quoi. Il faut m'expliquer un peu. Voilà. Voilà. Vu qu'il est bien, c'est comment? Voilà, donc, on va se laisser dans 4 minutes. Police. Tu dis, tu ne cules pas, mais tu me comprends, hein? C'est l'essentiel champion. Voilà, moi, il n'y a pas de doctorat. Ceux même qui ont doctorat, qui sont docteurs en économie, ils n'ont pas fait sortir le livre. Voilà. Pour montrer qu'ils sont forts. Donc moi, ici, rien dans la société. Non, laisse ça comme ça. Voilà, il parle pas, parce qu'on ne comprend pas, moi, il fait rien ça. Voilà, tout compte fait, le message, il passe. Voilà. Alors ça, on entend même qu'il est docteur en économie, il n'a pas écrit œuf. Ce mec qui n'a pas une licence là, il a écrit le livre des rébellions. Donc, de quoi parle l'auteur? Tu ne peux pas l'articuler. Tu me comprends, non, champion? Voilà. Champion, je parle trop vite, les gens qui sont habitués à moi me comprennent. Voilà. Donc, quand tu me dis, tu ne peux pas ça, c'est ton affaire. Pense à comme ça. Il n'y a pas parlé comme un enfant, un robot qui apprend à parler le français pour dire non, moi, j'ai toi là. Non, laisse ça comme champion. Bon, on s'est laissé. Petite musique à prendre, puis on se laisse. Voilà. On finit le morceau là. Police, ici un bobo. Ici, ouais, je bégaye. Voilà. Pas que je bégaye. Je suis un pisciste. Voilà. C'est la force. Phonis, le français il est dur à comprendre. Hein. Quand il dit respecter vos mères, c'est juste de dire respecter ta maman. Mais c'est pas pour autant, ça va m'empêcher de toi t'insulter. Est-ce qu'on se comprend? Il dit honore ta mère, ne manque pas de respect à ta mère. Moi je ne manque pas de respect à ma maman. Toi aussi ne manque pas de respect à ta mère. Mais ce n'est pas pour autant, moi, ça va m'empêcher de toi insulter ta maman. Voilà, donc, c'est un peu difficile le français. Hein. C'est pas qu'on parle là. On sait pas, si vous n'êtes pas allé à l'école, ben, je ne comprends pas. C'est difficile. On me dit non, que je dis de respecter les mamans et puis insulte. Non, mais, moi, je t'ai dit de respecter ta maman. Moi, je respecte ma mère. Mais ce n'est pas pour autant, moi, ça va m'empêcher d'insulter ta maman. Tu vois, le français, il est difficile, mais c'est facile à comprendre, champion. Donc,
au nom des antennes. Pas de dire, tu culpes pas là, mais comment je te fais la morale. Mais tu comprends pas. Voilà. Tu comprends pas. Moi, je vous dis, les champions, respectez vos mamans. Moi, je respecte ma mère. La maman, elle est sacrée. On doit la respecter. Mais c'est pas pour autant, cela va m'empêcher d'insulter ta maman. Voilà. Ta maman, c'est pas ma maman. Voilà. Moi, je ne manque pas de respect à ma maman. Voilà. Tu as conscience que tu peux se ma maman aussi. Mais par contre, tu ne manques pas de respect à ta maman. Donc, sur ce, Félix, Félix, merde qu'on est ta maman pour me reçu. Sur ce, à l'ensemble. Ciao. Voilà. Je sais que c'est rentré maintenant. Petit gawa là.